il n'y est pas tout le monde. Alors si vous êtes là, bravo, bravo pour les couples plus courageux. Donc toujours dans la catégorie économie, finance, j'entreprends, comment je réalise mon business model et comment je maîtrise l'essentiel des termes financiers majeurs pour assurer la faisabilité et la pérennité de mon étude de marché, de mon business model et de mon business plan. Alors, donc je commence par la lettre S. Alors cette lettre S, ça va peut-être vous faire sourire, mais moi je l'ai entendue souvent à l'école supérieure de commerce. Donc voilà, j'ai eu besoin de me remémorer un peu cette définition, mais c'était au regard du chat d'Iran. Qu'est-ce que le chat d'Iran? Alors le chat d'Iran, en fait, c'est une crise internationale, en fait, c'est une crise internationale. En fait, on va dire que c'est une politique volontariste, en fait. Du chat qui améliore normalement considérablement en fait le niveau de vie des Iraniens et qui a permis au pays une modernisation rapide, notamment dans les années 60 et 70. Et ça a contribué en fait à augmenter le fossé économique, social et culturel entre notamment les élites qui étaient plutôt occidentalisées et une classe populaire sensible plutôt au conservatisme religieux. C'est intéressant à comprendre. Donc voilà, moi je suis pas une spécialiste, mais c'était une définition que je trouvais intéressante. Allez, maintenant on passe à la stagflation. Donc qu'est-ce que la stagflation? En fait, c'est la stagflation, c'est une sorte de situation économique dans laquelle en fait vous allez souffrir en quelque sorte au même moment de subir en fait une croissance économique qui est dite faible ou nulle, et en plus de ça, vous subissez une forte inflation. Et la caractéristique des périodes de stagflation, c'est qu'on constate souvent qu'il y a un taux de chômage qui est hyper élevé. Et voilà, et notamment souvent la stagflation, on le retrouve à l'opposé de l'énoncé en fait du carré magique de Cal-d'Or. Donc ça aussi, je vous invite à aller voir ce que c'est. Alors après, moi j'ai mis quoi? Ah oui, je suis revenue sur les taux d'emprunt d'État, ou en fait, qu'est-ce qu'on appelle le benchmark, les OAT, les BTAN, les BTF en macroéconomie, ou encore les taux de marge. Les taux de marge. Voilà. Alors, moi j'ai mis que le taux de marge ou les taux de marque, en quelque sorte, ça va vous donner, c'est un indicateur de performance qui va vous donner la marge brute. C'est-à-dire que si vous essayez de mesurer la rentabilité d'un projet, d'une entreprise, en fait, la marge brute, c'est un indicateur vraiment de référence. Et ça va être calculé comment? En fonction du chiffre d'affaires, et ça va vous permettre d'anticiper stratégiquement la bonne allocation, voilà, c'est ça, de vos ressources. Donc, il y a une définition qu'on va dire semi-normalisée de la marge brute, mais pour autant, en fait, il est assez courant que la marge brute en fait, soit représenté comme une correspondance au prix de vente hors taxe, moins en fait le coût d'achat. Et si on est dans le cadre d'une entreprise commerciale, en fait la marge brute, elle est appelée dans ce cas de figure la marge commerciale. Donc une marge commerciale, c'est égal aux ventes de marchandises, moins les coûts d'achat des marchandises vendues. Si on regarde le taux de marque, lui, cette fois-ci, on va distinguer deux ratios, le taux de marque et le taux de marge. Dans le taux de marque, en fait, avec QUE, c'est la marge brute divisée par les prix de vente hors taxes multipliés par 100. Voilà, ça donne la part de la marge dans le prix de vente. Le taux de marge, lui, ça va être cette fois-ci la marge brute sur le prix non plus de vente, mais le prix d'achat fois 100. Donc ça va vous donner la part de la marge dans le prix d'achat. Alors comment est-ce qu'on pourrait analyser cette marge brute? En fait, analyser cette marge brute, ça peut vous amener en fait à comparer la notion de croissance des taux de marge de l'entreprise. Par exemple, sur les premières années, ça peut être une année, 2 ans, 3 ans. Et vous allez pouvoir également regarder et comparer en fait la moyenne du taux de marge des entreprises pour des mêmes secteurs d'activité. Ça va vous renseigner sur l'étude de marché et notamment l'étude de votre position vis-à-vis des concurrents. Donc en quelque sorte, en fait, il faut voir la marge brute, à mon sens, comme un élément de pilotage. Et ça peut être également un outil stratégique parce qu'en fait, la marge brute, elle peut vous éviter en fait de tomber dans la stratégie qui consiste à évaluer la prospérité de votre stratégie juste sur la base de votre chiffre d'affaires.
En fait, l'entreprise qui va piloter son entreprise, enfin, l'entreprise qui pilote son activité toujours en recherchant à tout prix à augmenter son chiffre d'affaires, en fait, il peut y avoir un risque qui est majeur parce qu'elle peut perdre de vue une notion qui est importante, c'est une notion qu'on a déjà vue, c'est la rentabilité. Voilà. Et donc l'étude de la marge brute, ça va vous permettre de suivre la rentabilité de l'entreprise et donc votre performance par là même. Maintenant, si on s'intéresse en fait ou à ce qu'on pourrait appeler le taux de profit ou le taux net de formation de capital fixe, en quelque sorte l'indicateur de la dynamique de votre croissance. Donc, si on regarde en fait quelle différence entre taux de profit et taux net de formation de capital fixe, ça va vous permettre de mettre en relation en fait croissance et accumulation. Voilà. Le taux de profit, en fait, lui, il ne va pas permettre de faire la différence entre la production simple et la reproduction élargie du capital productif. Voilà. En fait, lui, il est plutôt au centre de la dynamique du capital et il illustre en quelque sorte les relations entre le taux de formation net de capital fixe et la croissance de la valeur ajoutée. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a que c'est un indicateur pour comprendre en fait la stratégie autour de la dynamique de la croissance. Voilà. Donc maintenant, si on regarde les taux de marge d'exploitation, là aussi c'est un indicateur important. Pourquoi c'est un indicateur important? Parce que lui, en fait, il va vous donner en quelque sorte les capacités dégagées par l'exploitation, donc les capacités bénéficiaires, mais en soustrayant les autres éléments, c'est-à-dire les éléments financiers fiscaux ou d'autofinancement. Et en quelque sorte, le taux de marge brute d'exploitation, vous allez l'exprimer en pourcentage de CA, c'est-à-dire il va être égal à l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, sur le CA total hors taxe. Voilà. Donc en quelque sorte, le taux de marge d'exploitation, il va vous donner, c'est un indicateur en fait de la capacité de votre société à engendrer potentiellement des ressources, donc à alimenter la trésorerie au regard de son exploitation. Si maintenant on s'intéresse à la lettre T comme titrisation, alors là je vais vous faire une brève définition. En fait, la titrisation, c'est quoi? C'est une sorte de technique financière en fait par laquelle en fait les créances traditionnellement, on va dire illiquides, elles peuvent être gardées par les détenteurs jusqu'à l'échéance et elles sont transformées en titres qu'on va dire négociables et liquides. Voilà, pour vous faire simple, vraiment entre parenthèses, mais on pourrait passer une page à la définition de ce terme. Maintenant, si on s'intéresse à un autre terme ou un autre indicateur aussi, c'est la méthode de valorisation du patrimoine. Qu'est-ce qu'on appelle une méthode de valorisation de patrimoine? Alors ça, c'est hyper complexe. La valorisation de patrimoine, ça vous permet également d'évaluer votre entreprise également, notamment dans les activités d'achat, revente, fusion, acquisition. Alors, valorisation patrimoniale, vous avez trois choses à retenir parce qu'il y a trois méthodes, on va dire, d'évaluation. Et ça va porter en fait sur la valeur de l'entreprise. Et ça va être proche du montant auquel elle devrait être réalisée. Elle devrait réaliser une transaction à court terme portant sur 100% du capital. En fait, vous avez différentes approches de valorisation patrimoniale. C'est assez compliqué, hein, je suis désolée. Mais je vais essayer. Pardon, je vais essayer de vous les détailler après. Donc, on va voir la méthode patrimoniale, on va voir la méthode des comparables et on va aborder la méthode prospective. Donc en fait, en quelque sorte, quand est-ce que vous allez utiliser ces différentes méthodes? Ça va être fonction de dans quelle phase vous vous retrouvez dans votre entreprise. Voilà. C'est à chaque phase correspondra une méthode de valorisation de votre entreprise. Donc il y a trois approches. En fait, il faut les comparer, voire même les juxtaposer et les concilier. Alors si on regarde l'approche liée plutôt au passé de votre entreprise et donc l'approche patrimoniale. Donc, votre entreprise, elle a eu une histoire, c'est-à-dire qu'elle a été capable, en fait, d'accumuler des richesses, de l'actif, du passif, et vous avez, eu la capacité, en fait, d'agréger l'ensemble des actifs de votre entreprise pour vous permettre, en fait, d'évaluer indirectement la valeur actuelle, de marché et en déduire par là même vos dettes. Voilà. Du coup, ça vous a donné, en fait, ce qu'on appelle l'actif non réévaluer l'ANR. Maintenant, si on regarde l'approche liée au présent de l'entreprise.
Ça va reposer sur quoi? Pareil, sur des outils de comparaison, mais l'objectif ici, ça va plus vous inciter à déceler plutôt les entreprises, on va dire, cotées, et qui ont récemment cédé ou doté des mêmes caractéristiques que la société a évaluées et a appliqué à l'entreprise les multiples de valorisation justement observés sur ces transactions. Maintenant, si on se pose la question de savoir quelle approche en fait plutôt liée au futur de notre entreprise. Alors ça va plutôt être une méthode basée sur les flux futurs de trésorerie, évaluer les flux futurs. Donc ça, pour ça, il faut que vous soyez capable de déterminer vos flux de trésorerie, donc disponibles et actualisés et futurs. Donc vous allez par là même en fait essayer de mettre en place, de déterminer la valeur actuelle en fait de vos potentiels revenus futurs de l'entreprise. Et ça, c'est une méthode, à mon sens, aussi très subjective et très délicate parce que elle repose en fait sur la détermination d'un taux d'actualisation. Et ça, le taux d'actualisation, il repose sur un niveau de risque. Et ce niveau de risque, en fait, la cotation, la fréquence, la potentialité, etc., etc., ça, c'est des facteurs qui sont, à mon sens, subjectifs. C'est votre subjectivité qui va faire que vous allez évaluer ce risque plutôt à la baisse, plutôt à la hausse ou plutôt dans une valeur très rationnelle. Donc, c'est la difficulté, je dirais, des méthodes de valorisation patrimoniale. Donc si maintenant on revient un peu sur la méthode dite patrimoniale, mais on va détailler peut-être un petit peu plus sa mise en œuvre et les limites de cette méthode. Donc moi je vous l'ai dit en fait, il y a déjà effectivement des limites au regard de justement l'évaluation des taux d'actualisation au regard des niveaux de risque. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous superposez en fait les actifs, les dettes, eh bien, bon, il y a des entreprises voilà, qui vont superposer plutôt des actifs et des dettes. En fait, dans quel cas de figure? Ça va être beaucoup d'entreprises qui vont fonctionner par exemple en holding ou des activités de commerce ou d'autres activités foncières. Donc par contre, ça, cette approche, en fait, elle est complètement exclue pour les sociétés telles que les SS2I ou les sociétés de prestation de services, dans laquelle, en fait, tout simplement, la place des hommes, elle représente une part, en fait, quasi exclusive. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc c'est vraiment tout, la valorisation repose essentiellement sur la place des hommes. Donc en fait, ça va être fonction de votre activité. Et voilà, et je vais vous abandonner. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez résisté jusque-là. Allez, à bientôt. Yépa!